Retour au Maroc avec ce qui sera l'un des temps forts de l'actualité économique de cette fin d'année dans le Royaume, l'organisation à Marrakech du sommet global de l'entrepreneuriat qui réunira les 20 et 21 novembre prochains plus de 3000 entrepreneurs, des chefs d'État, des hommes d'affaires et de jeunes PME avec un focus sur le continent à travers un village africain d'innovation. Le programme de l'événement a été présenté aujourd'hui lors d'une conférence de presse à Rabat en présence notamment de la ministre déléguée aux affaires étrangères et de l'ambassadeur des États-Unis au Maroc. Reportage Khalid Najdi, Ibrahim Habboub, commentaire Hinm Abdenbi. Après Washington, Istanbul, Dubaï et Kuala Lumpur, la ville de Marrakech accueillera le mois prochain la 5e édition du Global Entrepreneurship Summit, une plateforme mondiale réunissant entrepreneurs, banquiers et investisseurs afin de promouvoir la croissance. Le choix du Maroc pour organiser cet événement traduit l'excellence des relations entre le Royaume et les États-Unis. C'est une action qui vient consolider ce dialogue stratégique existant entre nos deux pays. C'est aussi une occasion pour nous de faire connaître et de promouvoir tout ce que le Maroc a fait, de développer encore plus l'attractivité marocaine, d'attirer des investisseurs étrangers. Ce sommet a une importance particulière puisqu'il permet en fait à l'ensemble de la communauté des jeunes entrepreneurs au niveau international et particulièrement africain de se retrouver pour pouvoir discuter ensemble en fait des moyens de développer l'innovation et l'entrepreneuriat dans nos pays, le moyen également de partager le savoir-faire et d'arriver à développer en fait à travers les success stories des modèles de réussite individuelle. 3000 participants venus de 50 pays différents participeront à cette manifestation qui se tiendra sous le thème « Exploiter la puissance de la technologie au service de l'innovation et de l'entrepreneuriat », tout un programme pour les entrepreneurs africains. Les éléments clés de ce sommet, ce seront l'innovation, la connectivité. Donc ça nous va très très bien. Et donc nous allons créer donc autour de ce sommet beaucoup d'événements qui vont attirer les jeunes entrepreneurs et qui vont essayer de les pousser et de leur donner à leurs rêves une réalité. Et ça, c'est ce qui est important pour nous parce que c'est la projection vers l'avenir. Ce forum sera couronné par l'émission de recommandations. Des partenariats publics-privés devraient également être lancés au terme de ce sommet, ainsi que des projets de fonds de financement de l'entrepreneuriat ou encore la création de réseaux de petites et moyennes entreprises.